Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance d'orthographe. Le féminin des noms en heure. Sfa, Mia, Orba, Ostim. Je lis d'abord les deux phrases. Le promeneur ne jette pas les déchets par terre. Le moniteur indique le chemin aux visiteurs de la forêt. Le promeneur, ou un شخص اللي كيكون كيمشي يتسارى في الغابة يديرنوزها اون بيكنيك. Le moniteur هو بحال ان جيد مرشد مرافق. انديك لو شومان او فيزيتور، اذا كيوري الطريق للزوار ولا البرومونور دو لا فوري. تري بيان. الوغ جو فراز ديجا لو جو شيرش لو جونغ اي لا تيرمينيزون دي نون ايكري اون روج. الوغ temps écrit en rouge ou merde. Alors, on va dire c'est quoi leur genre, c'est-à-dire masculin ou bien féminin, et par quoi ils se terminent, les terminaisons d'hier. Les noms écrits en rouge sont en masculin. Ado, kelmet, en masculin. Ils se terminent par heure. La terminaison d'hier, il y a heure. Tu réécris les phrases en mettant ces noms au féminin. Les phrases les noms en rouge au féminin. Que remarques-tu? Alors voilà, dans ce tableau, nous avons écrit les noms promeneur, monitrice, moniteur et visiteur. Et voilà, dans l'autre colonne, nous avons écrit leur féminin. Alors, promeneur, le féminin promeneuse, moniteur, le féminin monitrice, visiteur, le féminin visiteuse. Shnukallahdo. Alors, les noms en heure, à la fin, ils font leur féminin soit avec euse ou bien ris. Qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, qu'est-ce qu'on remarque? Ils font leur féminin avec euse ou bien avec ris. Promeneuse, monitrice, visiteuse. Alors, allons voir ce que nous avons dont je retiens. Les noms masculins qui se terminent par heure ont un féminin en euse. هذه هي القاعدة في الغالب. Les noms اللي عندهم heure في الاخر كيديروا الفيمينين ديالهم بأوز. بحال visiteur, visiteuse. Certains noms masculins terminés par teur, بعض منهم هادو اللي فيهم T قبل من heure, ont un féminin en trice. Exemple, moniteur, monitrice. Très bien. هذا T هنايا راه أصلية. D'accord. Et donc, en goulou, ils font leur féminin, on ne dit pas avec tris, mais avec ris. Alors, la T هذه راه أصلية. Très bien. ماشي مشكل. بحال بحال. J'écris au féminin les noms suivants. Qu'est-ce que vous avez dit هادو ou هادو au féminin. Alors pour un coiffeur on dit coiffeuse. Un directeur, il y en a une, d'accord? Une. Un directeur, une directrice. Un nageur, une nageuse. Un visiteur, une visiteuse. Un skieur, une skieuse. Ou elle qui joue le ski, تزحلق. Un chanteur, une chanteuse, un acheteur, une acheteuse, un instituteur, une institutrice, acteur, actrice, aviateur, aviatrice, acteur ou le momtil, actrice momtila, aviateur tayar, pilote del tayara, aviatrice pilota. Voilà, nous avons un autre exercice, l'iradin khayrofi, mais bien euse et trice. Un inspecteur, une inspectrice. Voilà, une inspectrice. Moufetiche, moufetiche. Un chanteur, une chanteuse. Mourania. Une nageuse, sabaha. Une joueuse, laiba. Une décoratrice qui fait des décors. Une spectatrice متفرجة.
Et puis nous avons, je mets au féminin les noms entre parenthèses, hein, dirons au féminin. Cette patineuse, elle est capable avec des patins ou bien des roulettes. Patineuse. Et à droite, il y a un chi. Cette nageuse, cette béha, est très rapide, sérieux. Cette institutrice, c'est le mot lima, institutrice. Et gentille, Latifa. J'aime bien cette chanteuse. J'aime bien cette chanteuse. Cette animatrice, mon chita dit chez Barnamège, il chez Fla, animatrice, s'exprime très bien. Voilà, c'est la fin de cette séance. Au revoir.